Bonjour la famille, bonjour tout le monde. Je fais ce direct. Je suis très fâchée, très déçue. Très, très déçue. Vous savez, quand je demande les gens, ils vont dire de ne pas faire ce direct. Mais moi, je suis du genre. Je dis ce qui est dans mon cœur. Je ne dis pas les choses pour faire plaisir aux gens. Jamais. Je ne fais pas plaisir à quelqu'un, moi, Fatou. Je ne veux pas être. Je ne peux pas avoir mal dans mon cœur et puis le garder. C'est ça, moi. Je suis très dessus. Très, très dessus. Très dessus. Je vous dis très dessus. Très dessus. Du RPG arc-en-ciel. Je suis dessus. Très dessus du RPG arc-en-ciel. J'ai compris ici, c'est pas Alpha Condé. On n'a personne dans le RPG. D'après tout notre sacrifice, tout ce que nous on a fait pour ce parti. C'est ça notre récompense. Restez sans avoir carte. Alors je vous dis aujourd'hui, vous les gens du RPG, tout ce que moi je montre, je dis c'est pour le président. Alpha Condé ne fait rien pour nous. Mais on n'est pas là pour quelque chose. C'est pourquoi moi, je ne suis pas fâchée. C'est pourquoi je sais que ma vie, mon avenir, c'est Dieu qui va décider de mon avenir. Mais ça, c'est histoire d'honneur. Ça, c'est question d'honneur. Des personnes qui se sont opposées pour la nouvelle constitution, des personnes qui se sont opposées à ça, nous qui se sont sacrifiés notre vie. Je m'en fous. Moi, la communauté IFDG, j'ai fait ça pour vous montrer que moi, je ne suis pas comme vous. Quand j'ai quelque chose qui me fait mal, je le dis. Je suis dessus du RPG arc-en-ciel, très dessus. Nous, les vrais combattants, issus d'une autre communauté qui a tout donné, on est là. Personne d'entre nous n'a eu une carte. Hier, le président de la République, on a parlé. Il m'a demandé, tu as fait ton test? Je lui ai dit oui. Il dit, ok, à demain. Ça veut dire quoi? Il sait que oui, nous, on ne peut pas rester sans avoir carte. Je condamne les personnes qui ont partagé les cartes sans nous donner. Vous n'aimez pas Alpha Condé, vous n'aimez pas le RPG. Vous avez fait honte à Alpha Condé et au RPG. Partout dans le monde, il n'y a que nous qui a fait ce qu'on a fait. Ouattara n'a pas ça dans son pays parce qu'il y a eu des personnes qui le soutiennent. Les gens là sont ségrégés. Il n'y a qu'en Guinée. Au Sénégal, tu ne verras pas. Et nous, si nous là, nous étions ivoiriennes ou sénégalaises ou maliennes, on allait même nous décorer. C'est ce que nous, on a fait pour ce parti. Je suis dessus de vous. Très dessus de vous. Moi, je dis ce que je pense. Moi, je devrais. J'ai reporté mon voyage, moi, pour assister à cette investiture qui est vraiment. On s'est donné corps et âme. Les Ngélu et les Corboya, nous sommes des symboles pour nous. Mais on a compris la politique. Plus tu te bats, plus tu te sacrifies, plus tu es oublié. On m'avait dit que soutenir Alpha Condé, c'est de s'enterrer vivant. Moi, on m'a dit ça. La chance que le RPG a eue, nous ne sommes pas ethno. Un, deuxièmement, nous ne soutenons pas quelqu'un pour quelque chose. Sinon, on n'a rien au RPG arc-en-ciel. Moi, je le dis, rien. Même mes téléphones, ce n'est pas lui qui me donne. Je dis ça pour faire mal aux gens. Et j'ai compris que le mal, là, ce n'est même pas aux gens de l'IFDG. Les gens, aux vrais gens du RPG, sont fâchés pour ça. Ils ont mal pour ça. Quand moi, je montre les choses que j'ai reçues. Oui, ils ont mal. Je suis très dessus du RPG arc-en-ciel. Moi, je dis, moi, je ne suis pas comme les militants de l'IFDG qui sont fâchés contre leur président et leur parti qui n'osent pas sortir parler. Moi, je suis fâchée contre le RPG, je suis fâchée contre Alpha Condé, je le dis. Je suis là avec les champions, les dignes fils. Nous sommes là, personne d'entre nous. Regardez si vous allez voir Ngélo en direct ou tout à l'heure au palais. D'après tout ce que Ngélo et Corboya, mais moi je peux comprendre. Ngélo et Corboya, d'après tout, la ségrégation, vous pensez vous aimez Alpha Condé? Vous n'aimez pas Alpha Condé. Vous n'aimez pas, vous avez donné raison à la communauté. Oui, vous avez donné raison à la communauté. Moi, j'ai bien fait de faire ce direct. Moi. Je n'ai peur de rien et de personne. Moi, je crois en Dieu tellement que rien ne peut m'arriver.
Et aujourd'hui, quand il y a quelque chose de malheur venant du RPG, c'est vrai, moi je suis surprise. Parce que ce n'est pas de ça que je m'attends. Mais les autres ne sont pas surpris parce qu'ils nous ont toujours dit que le RPG, ce n'est pas le bon parti. Que le RPG, tu soutiens Alpha Condé et le RPG, c'est de s'enterrer vivant. Ils ont dit ça. Moi, je suis au RPG parce que j'ai dit tout simplement à Serigne Dalem, je vais aller soutenir Alpha Condé, sortir, m'afficher, et je l'ai fait. Tu peux parler du RPG sans parler de nous. Mais tu ne peux pas parler de Serigne Dalem et de Alpha Condé sans parler de nous. Je suis dessus de vous. Vous n'aimez pas Alpha Condé. Et moi, personne ne peut m'intimider. Et vous allez voir, je ne vais pas pardonner ça. On va aller loin, je vais dire au président. Ce n'est pas de ça que je m'attendais de lui. Ce n'est pas de ça que je m'attendais à vous, vous RPG. Vous m'avez dessus. On est dessus. On est dessus de vous. Très dessus de vous. La vidéo là, partagez, partez, distribuez, mettez dans tous vos coins. Envoyez même à la presse. C'est moi, Fatou Nguyen, j'assume mes responsabilités. La politique, ce n'est pas une religion. La politique, ce n'est pas affaire de famille. Et je vous dis, RPG, vous savez c'est quoi votre force? Si vous changez ça, vous allez être comme IFDG. Si vous avez l'idée de d'ethnocentrisme, là, l'idée de partager entre vous sans penser aux autres, là, vous allez perdre. C'est la défaite de Serigne Dalem. C'est la défaite de l'IFDG. Parce que c'est lui seulement et son entourage. Je suis dessus de vous. Très dessus de vous, RPG Arc-en-Ciel. Et vous n'aimez pas Alpha Condé, vous n'aimez pas RPG. Vous avez fait honte. J'ai pleuré, je ne pouvais pas. Il m'a dit de ne pas faire corboya. Je dis, je m'en fous d'eux. Ce n'est pas eux qui m'ont amené au RPG. Ce n'est pas eux qui m'ont dit de faire ce que je suis en train de faire. Ils sont dessus, assis, peu ou pas. Ça n'engage qu'eux. Mais moi, je suis dessus. Si eux, ils ne parlent pas, c'est parce que ce n'est pas des hommes. C'est parce qu'ils n'osent pas. C'est parce qu'ils ne comptent qu'Alpha sur Alpha Condé. Et Nielo ne compte que peut-être que sur son grand Senkou. Et je suis dessus de toi, toi, Koto Senkou. Je suis dessus de toi. Tout le monde pouvait nous refuser les cartes. Mais tu devrais être la première personne à nous donner des cartes. Toi, Senkou Kaba. Ça, je te dis, Koto Senkou, je suis dessus de toi. Je t'avais dit aussi, je t'ai écrit, je t'ai laissé le message. Et je ne vais jamais te pardonner ça. Si les autres peuvent nous oublier, toi, tu ne pouvais pas nous oublier. Toi, Koto Senkou. J'ai dit à Nielo, si c'est sur toi, il compte là, il est perdant. Il n'aura rien dans sa vie. Il ne va pas être en manque 1 million, 2 millions, mais pour qu'il a quelque chose, lui et Corboya, ils ne vont rien avoir. Ça, je les ai dit. Heureusement, ils comptent. Espérons qu'ils vont compter sur Dieu. Moi, je ne compte sur personne. Je ne compte pas sur Alpha Condé. Je ne compte pas sur personne, moi. Je compte sur Dieu. C'est Dieu qui, c'est lui qui donne. C'est lui qui, c'est Allah ma force. Moi, Fatou Nguyen, lui. C'est Dieu ma force. Mais je suis dessus de vous. Vous n'aimez pas Alpha Condé. Vous avez mis. J'ai bien fait de faire la vidéo là. Ça, c'est pas la religion. En politique, je vois des personnes, je vois Faya Minimono, Ousmane Kaba, des personnes qui se sont opposées ici. Nous qui se sommes battus corps et âme, ségrégués de notre communauté, insultés, traités de tout, mère et père. Nos enfants sont affichés. Je suis même pas chez moi. J'ai fui ma maison. Et ma maison là, c'est pas Alpha Condé qui a cherché la maison pour moi. Moi, j'habite en ville, c'est moi, mes propres moines. C'est pas Alpha Condé qui m'a logé où moi, Fatou Nguyen, je suis. C'est pas lui, c'est pas quelqu'un du RPG. C'est pas quelqu'un du RPG qui m'a donné moi ma voiture, qui me donne moi ma dépense, qui me donne. Il ne donne rien, mais c'est pas ça moi je cherche. Moi, je sais, mon avenir, ça est dans les mains de Dieu. C'est Dieu qui est fort. Quand Dieu te prévoit quelque chose là, tu veux pas, tu l'auras. La vidéo là, prenez la vidéo là bien, partagez dans tous vos groupes, partagez, non, Fatou, la communauté, ma communauté, je ne suis pas comme vous, le cri de cœur, vous avez vu, quand Selou m'a fait, je suis sortie, je l'ai dit, si, entre nous là-bas, il m'a dit bien noté, et puis je l'ai dit, je vais te quitter et te combattre, je l'ai dit, non, et puis j'ai fait. Vous êtes dessus de ce loup. Vous savez qu'il ne pourra rien vous donner sauf vous tuer, vous emprisonner. Mais vous n'avez pas le courage et le cœur de sortir le dire. Moi, je suis dessus aujourd'hui de Alpha Condé et de son parti RPG Arc-en-Ciel. Moi,
suis dessus. Je suis sorti, j'ai dit. Et j'ai bien fait de le dire, je vais le dire aussi. On est dessus, on est là. Merci, même. Le Ngele vient de rentrer. S'ils n'étaient pas là, je n'allais pas faire. Voilà. Dieu merci. Il est là. Il est là. Lui aussi, il vient de rentrer. Dieu merci. Ils sont là. Ils sont là. Ne souris même pas. Comme vous êtes escrocs. Vous pensez que. Il ne faut pas avoir peur. Il faut dire ce que te fait mal. Il est là, il est rentré. Le ministre de la Défense qui devrait être à côté d'Alpha Condé aujourd'hui. Que aujourd'hui, les présidents qui sont venus vont voir où ils sont ministres de la Défense. Oui, ils sont là, ils viennent de rentrer. Parce que s'ils étaient là, là. S'ils étaient là, là. Et je vais faire ce direct. C'est Nkun Kaban, je suis dessus de toi. Moi, ta soeur Fatou, je dis. RPG, je suis dessus de vous. J'ai reporté mon voyage. Envoie mon test Codif. J'ai fait même le test. J'ai fait mon test. J'ai reporté moi mon voyage pour ça. Awa, je suis. La ilaha illallah Muhammad Rasoul. Donc quand il s'agit de bonheur là, partagez là, ça c'est entre vous là-bas quoi. Quand il s'agit de. Vous avez une chance, vous avez des hommes qui sont dignes. Pour être comme nous là, c'est compliqué. Être comme nous là, c'est compliqué. Chers amis, bonsoir à tous et à toutes. Franchement, je suis d'avis avec ma soeur et on ne peut pas concevoir une chose. Nous sommes des acteurs principaux de cette nouvelle constitution. Nous sommes des acteurs principaux de la réélection de son Excellence le professeur Alpha Condé à la tête du pays. Ce n'est même pas une question de troisième mandat. C'est une question d'une nouvelle constitution dans une quatrième république. C'est si historique. Je pense que c'est émouvant de telle sorte que on voulait assister à cette grande histoire. Ils ont décidé autrement. Je ne sais le pourquoi. Mais ce qui est plus important, c'est de savoir que son Excellence, le professeur Alpha Condé, sera aujourd'hui le tout premier président dans la 4e République. C'est le plus important. Mais de l'autre côté, nous attirons l'attention de ces différents cadres qu'ils sachent une chose. Je suis vraiment stomaqué, je le dis haut et fort. Je ne vais pas caresser le mal. Je ne vais pas caresser cette plaie. Je tiens à féliciter et à remercier ma sœur Fatou Nyeloué qui a eu le courage et l'idée de venir ici dénoncer. Parce que nous ne sommes pas des suivistes. Et je vous dis haut et fort, dans ce parti, si nous avons aujourd'hui quelque chose, ou si nous sommes quelque chose, c'est pas parce que je suis Corboya, c'est pas parce qu'elle est Fatou Nyeloué, c'est pas parce que l'autre aussi est Ousmane Nyeloué. C'est la détermination, le combat que nous avons effectué sur le terrain, c'est ce qui a fait que nous avons su nous imposer. Et ce combat, nous allons le mener. Dans le même cadre, il faut le rappeler aux uns et aux autres. Nous n'allons pas cautionner l'injustice. Comment se fait? Regardez, les gens qui se sont opposés à cette nouvelle constitution, ils se sont opposés, ils ont insulté Alpha. Personne n'avait cru que
Je pourrais jamais. Il n'avait même pas cru Alpha allait être réélu en tant que premier président de la 4ème République. Ils ne sont même pas assis, ils sont flanqués. Parce que c'est indigne de s'opposer à une chose, insulter la personne, le traiter de tout, revenir s'asseoir aussi, être vraiment au niveau de la première place. Je vous dis, la politique, elle est louche. Elle est sale, et très sale. Mais n'empêche, continuez. Continuez. Peut-être c'est votre destin. Mais on est fâché contre le chef protocole de la présidence. Qui n'a ménagé aucun effort. Pour que nous nous assistons. Pour qu'on puisse avoir nos cartes. Parce que nous, on ne va pas réclamer. Alpha Condé, il a plusieurs problèmes. Il ne peut pas tout résoudre à la fois. Et nous aussi, on ne va pas l'appeler comme si c'était un citoyen lambda. Il y a des moments où il faut appeler Alpha Condé pour trouver des solutions, mais aussi il y a des moments où il ne faut pas appeler son excellence le professeur Alpha Condé. Vraiment. Sinon, on allait l'appeler. Et d'ailleurs, nous attendons. Après cette investiture, nous allons l'appeler. Nous allons le dire ce qui nous a fait mal. Nous sommes ses enfants. Et je sais, je vous assure, s'il savait que ce tact allait se passer ainsi, je pense qu'il allait user de tous ses moyens pour trouver une solution immédiate. Corboya, il m'a appelé hier. On a fait 19 secondes. Il m'a dit, tu as fait ton test? Je lui ai dit oui. Il dit ok, à demain. Ça veut dire que oui, il sait, parce que c'est pas lui qui donne les cartes. Ou peu importe. En tout cas, c'est pas lui qui a donné les cartes à tout le monde. Il sait que nous, on est... Voici mon test. J'ai fait le test. Il a appelé ici. Tu vois, il a dit que oui. Je pouvais pas lui dire, ah, monsieur le président, où sont les cartes? Je peux pas dire ça parce que moi, je sais que non, les cartes là... Je suis dessus de toi, je le dis. Moi, Fatou Nielu, je suis vraiment dessus de toi. RPG Arc-en-Ciel, moi, Fatou, je ne parle pas au nom des deux personnes qui comptent sur des gens. Moi, je compte sur Dieu. Je suis dessus sur vous. Je suis dessus. Je suis dessus de vous. C'est ça, moi, Fatou Nielu, je le dis haut et fort. Voici. Des personnes qui ont insulté Alpha Condé, mère et père, ils sont là-bas aujourd'hui. Qui ont dit non, quand tu entends investiture, c'est parce qu'on s'est battu, nous. C'est parce qu'on a mis la communauté IFDG à leur place. Si une autre personne, je vous dis aujourd'hui, si un Soussou, Forestier, Malinké, je ne sais, tous les autres ethnies là, parlent sur la communauté IFDG, ça ne leur touche pas. Mais quand les enfants du Fouta parlent sur eux, leur disent la vérité, c'est comme si tu as coupé quelque chose sur eux. On vous dit, ça aujourd'hui, pour moi, nous étions les symboles du RPG Arc-en-Ciel. Mais on a compris, c'est quoi? J'ai compris. Et moi, je dis ce que je pense, je n'ai peur de rien. Moi, aujourd'hui, je vous dis une chose. Si quelque chose du mal m'arrive dans le RPG, vraiment, je ne m'attendais pas quand même. Mais tout le monde s'attend de ça, de vous. Ma communauté IFDG s'attend de ça. On m'a dit plusieurs fois que soutenir Alpha Condé, c'est de s'enterrer vivant. Je dis, ce n'est pas votre problème parce que moi, je sais, ce n'est pas un truc de communauté. Je sais, ce n'est pas un truc de religion. Ça, c'est une conviction. Mais je suis dessus de vous. RPG Arc-en-Ciel. Je suis très dessus, moi, Fatou Nielu. On est dessus et le monde aussi est dessus de vous. Et les vrais militants aujourd'hui, les vrais militants du RPG Arc-en-Ciel, de Kanka à Sigiri à Zéro Corée, dessus de vous, les cadres qui ont fait ça, vous les traites. Vous êtes des traites. Vous n'aimez pas Alpha Condé. Monsieur le Président, je vous lance un appel, un message. Aujourd'hui, retenez mon message. La communauté internationale, tout le monde, écoutez ce message.
l'entourage du président Alpha Condé, s'ils continuent comme ça à isoler Alpha Condé, ils vont pousser les autres à se lever contre Alpha Condé ici. Le peuple ne s'est jamais révolté contre Alpha Condé dans ce pays. Il n'y a que l'IFDG qui se sont révoltés, qui se sont levés contre Alpha, c'est pourquoi il est toujours là. Mais s'ils poussent les gens à ce que la population, le peuple se révolte ici, et ce que je vois là, l'entourage du président, si vous ne changez pas, un an, deux ans après, si vous allez conduire Alpha Condé dans l'horreur, c'est moi qui le dis, j'assume aussi, parce que vous êtes des traîtres. Beaucoup d'entre vous, vous êtes des traîtres. Vous n'aimez pas Alpha Condé. Vous ne cherchez que votre intérêt personnel. Vous n'aimez pas aimer Alpha Condé, c'est aimer les personnes qui se battent pour Alpha Condé, qui se sacrifient pour Alpha Condé, qui a tout donné à Alpha Condé. RPG, c'est quand nous on est venu ici, Alpha Condé est moins insulté. Il était insulté comme un petit. Le président le plus insulté au monde, c'était Alpha Condé. Seigneur le qui s'est sacrifié, il a dit qu'il est ministre de la Défense. Corboya s'est sacrifié, moi en tant que femme et mère. J'ai oublié mes enfants, je me suis sacrifié. J'ai oublié ma famille, j'ai oublié tout le monde. J'ai eu tous les problèmes du monde à cause de mon adhésion au RPG Arc-en-Ciel. J'ai assumé. Mais si aujourd'hui, on a compris, moi en tout cas, je ne vais pas parler à leur nom, parce que eux là, moi je parle à mon nom. Moi j'ai compris, j'ai vu d'abord c'est quoi ma place dans le 4e République. Je n'aurai rien dans ça, je ne veux rien gagner dans ça, ça c'est une honte. Et aussi moi, eux ils ne le disent pas, mais ils ne vont rien avoir. Ça va être une honte, ils vont avoir des étiquettes. Et ce qui est plus grave, ils sont rentrés dans l'histoire de la Guinée. Les Nielo et les Corboya, ils sont rentrés dans l'histoire de la Guinée. Ça c'est fini, on veut, on ne veut pas. Donc on aura cette étiquette, ils vont dire c'est eux qui ont tout fait pour que Alpha, pour une nouvelle constitution, c'est eux qui ont fait pour que Alpha soit président de la 4e République. Ils vont dire ça. Et après, ils vont nous prendre, nous mettre dans la poubelle si Alpha Condé ne fait rien pour nous. Alpha ne nous aide pas, le RPG ne nous aide pas. Qui va nous aider demain? Moi, je crois en Dieu. Je sais que c'est Dieu qui va m'aider. Si c'est ça, mais je ne compte pas sur Alpha ni son RPG arc-en-ciel. Ça, je le dis. Hein. Voilà. Le cri de cœur, je le dis. J'ai compris. Même une carte d'accès, tu n'as pas, on n'a pas eu ça. Donc, c'est le bonheur quoi? Moi, je vous ai dit. À un moment, je disais non, non, non. Maintenant, j'ai commencé à dire que Alpha me donne ça, je vois les gens, les vrais gens même du RPG se fâchent. Alors, je vous dis, Alpha ne fait rien pour moi, Fatou, rien. Ma maison, c'est pas lui qui m'a logé, mes téléphones, c'est pas lui qui m'a... Rien, je dis ça pour faire mal aux gens de l'IFDG, pour faire mal à ce Loudalin, parce que je sais, il a mal. Et n'oubliez pas aujourd'hui, vous avez oublié une chose, IFDG, RPG, vous savez ce qui IFDG? Toute personne qui déteste Alpha et le RPG, on va t'aimer. Toute personne qui aime Alpha et le RPG, ils vont te détester. Donc ça, je vous dis ça. Mais je suis dessus de vous. Très dessus de vous. Très, très dessus de vous. Si vous ne changez pas de mentalité, de comportement. Je vous dis, hein, c'est pas d'avoir d'être élu. C'est pas de gagner la chose qui est le truc important. C'est comment garder la chose. Et comment garder la chose là, monsieur le président, il faut que votre entourage vous aide. Si votre entourage là, il veut faire comme 2010 et 15, je vous jure sur la tombe de mon père, ça va pas aller. Le Guinéen n'est plus ce Guinéen d'hier. Les Guinéens se sont réveillés. 2020 là, s'il n'y a pas un changement, un partage de tout le monde sur la tombe de mon père, ça va très mal tourner. Ça, je vous dis, moi je vous dis ce que je pense. Moi je n'ai pas peur de quelqu'un. Moi je n'ai pas peur, je n'aurai jamais peur d'un être humain. Je veux te respecter, t'aimer, te pardonner, je le fais. Mais avoir peur, je crois tellement en Dieu que je sais que rien ne peut m'arriver si ce n'est pas quelque chose qui est venu de lui. Donc c'était ça ce direct. Je suis fâchée, moi, Fatou Nyeloué. Très fâchée. Nyeloué est bien habillé. Très bien habillé. Avec son costume, il a acheté ça venant d'où? Il est là, Corboya. Regardez. Hein? Les vrais militants aujourd'hui du Cancan Sigiri sont fâchés contre le RPG et Alpha Condé parce qu'on n'a pas eu accès dans le palais. Moi, je vais passer après. Et moi, allez, comme si j'étais qui? Je suis dessus de vous. Ce qui reste clair. Hey, quand on est en famille, là, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Il faut dire que... Serré encore. Hey, moi, je vous dis,
Moi, Alpha Condé, je veux que tu restes au pouvoir. Je veux ça. Pourquoi? Pour ma sécurité. Parce que je ne m'attends pas de toi pour que toi, tu me mets en prison. Je sais que si la personne qui va, moi, me mettre en prison, c'est Loudalé. Donc, même si c'est ça, là, je veux vraiment que tu restes. Mais il faut dire à ton entourage, Alpha Condé, de changer de comportement, de mentalité, de partager, d'ouvrir. Je te dis, hein, je vous jure, monsieur le président, c'est fini ça, c'est pas 2010 ni 15. Le peuple s'est jamais révolté. Faut pas que votre entourage pousse le peuple à se révolter contre vous. Si le peuple se révolte contre vous, wallahi billahi tallahi, ça va très mal tourner. Et moi, je sais, je dis la vérité, et c'est ça la vérité. Dans le RPG, les 80% des gens du RPG, ils sont frustrés, mais ils n'osent pas parler. Ils ont le même plaid que tout, de beaucoup. Il n'y a que quelques-uns qui sont là, qui font ce qu'ils veulent de la Guinée. Et puis que tu, quand tu parles, on te crée des faux problèmes. On vient, soit on t'enlève si tu as un poste. Moi, même si j'avais un poste, si on m'a levé là, c'est pas la fin du monde. Moi, je dis ce que je pense. Et d'ailleurs, j'ai pas de poste. J'ai pas de j'ai pas de poste, j'ai même pas de matricule, d'accord? Mais je vis ma vie et je vais vivre ma vie. Avant Alpha Condé, je vivais. Avec Alpha Condé, je vis. Après Alpha Condé, moi, Fatou Ngélo, je vais vivre.